Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un nouvel épisode de YOLO Mineshaft, l'épisode 4. Ce que j'étais m'enseigné, l'épisode passé c'était l'épisode 4, enfin c'était l'épisode 3, j'en étais l'épisode 4, du coup je m'embrouille. J'étais voir à tout, aujourd'hui je viens d'upload l'épisode 1, j'attends vos retours à tout. Et du coup aujourd'hui c'est l'épisode 4. Sur cet épisode, il y a eu pas mal de changements que je vais vous montrer d'ailleurs. Vous le voyez ici, j'ai déjà rajouté deux barrels. Hein? Celui-là, je l'ai. Non, non, je dis la merde. Vous allez dire, celui-là, je l'ai fait en conséquence pour la query, pour la dirt que j'ai eu, mais je m'en suis déjà servi, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc, j'en ai fait une pour le bois. Ça aussi, vous allez comprendre pourquoi j'ai 11 stacks de bois. Quasi 12. Et du coup, il n'y a rien d'autre qui a changé dans la maison. Ce qui a changé, c'est. Je vais pas vous montrer encore. Ce qui a vraiment changé. Donc, ce qui a changé, c'est que du coup, maintenant, j'ai, comme je vous avais dit, j'ai refait des panneaux solaires. J'en ai refait. Donc, il y en avait un au-dessus et un là. Donc, du coup, bah, j'en ai refait 3, 4. Ouais, j'en ai fait 3. La bad box est toujours la même. Elle est chargée, celle-là, elle distribue vers les machines qu'elle a. Du coup, pour les machines, là, on est tranquille. Pour la query, d'ailleurs qui a fini de tourner parce que je l'ai laissé toute la nuit avec un moteur. J'ai laissé qu'avec un seul moteur au lieu de deux, comme ça, de toute façon, toute la nuit elle allait être finie. Mais comme ça, j'étais sûr d'avoir assez d'énergie. 4 panneaux solaires, désolé, j'en ai rajouté un deuxième là. Du coup, bah, j'ai mis deux panneaux solaires sur les côtés, plus toujours le low voltage. Ça n'a pas changé. La bad box et la LV Transformer, ça n'a pas changé non plus, les moteurs non plus. Le seul truc qui a changé, c'est la query qui est terminée. J'ai juste les seuls trucs que j'ai pris dedans, ce ne sont pas les minerais, c'était juste de la dirt et de la cobble. Ça fait des bruits bizarres. C'est les seuls trucs que j'ai pris dedans parce que j'en avais besoin. J'ai agrandi la salle. Du coup, j'ai trouvé du copper. Ce qui m'a aidé à faire les solar panels. J'ai agrandi la salle pour mettre la query pouf ici, la déplacer. Du coup le câble électrique, je trouverai un moyen pour le faire passer dans le mur, enfin dans le mur là-bas et le faire revenir ici. Ça je le ferai en off et je vous montrerai les branchements. Alors du coup, elle est terminée et tout. Là je vous ai montré ce qu'il y avait dedans, mais là, voilà. Au début j'ai ouvert, j'ai regardé, j'ai fait ça. Y a pas de copper. Où est le copper? Ah, du Dark Iron. J'avais pas vu ça. Y a du copper. Par contre, ce que j'ai vu, c'est diamant. Et ça, c'est intéressant. Du coup, 4 diamants, on en a 5. On va les économiser pour se faire autre chose. On attendra la prochaine query. Celui-là, je vous ai montré. Du coup, tout ce qu'il y a dans ce coffre-là, je pourrais le déplacer, faire fondre, etc. Enfin, macérator et le four. Ici, je déplacerai la query, on le fera ensemble. Mais avant, je dois vous montrer quelque chose. Vous vous souvenez, l'épisode précédent, j'ai dit oui, on va s'occuper du jardin là, le jardinier, jardin, c'est le même, où il y aura toutes des plantes, des baies, des trucs pour faire du vin, etc. Du vin, de la bière. Eh ben, ça va être aujourd'hui. Ça va être un épisode déco. D'abord, on va récolter ça là. Et ça va être un épisode déco. Je sais pas si je l'aurais mis au début de la vidéo ou si je vais le mettre ici après. Le timelapse que j'ai. Enfin, une partie que j'ai réalisée, j'ai pas tout mis. Mais de ce que j'ai fait là, j'ai tout aplati. J'ai tout mis au même niveau, j'ai tout transformé en air parce qu'à la base c'était du podzol là. Et donc c'est pour ça qu'il y a des planches, c'était pour séparer la limite en fait. Parce que celui-là, cette herbe-là va normalement se transformer en podzol à force de rester à côté. Tandis que par exemple celui-là, vu qu'il y a de l'herbe, va se transformer en herbe. Et ne pourra pas se transformer en podzol car il n'est pas en contact avec du podzol. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai mis de la planche, pour séparer les deux. Et pour me permettre de tout transformer en herbe, d'ailleurs tout n'est pas encore fini d'être transformé. Et juste là, mais que y a pas de planche ici. Mais c'est pas grave. Normalement, c'est censé se transformer en herbe.
Au début, j'avais pensé vous faire un time-lapse de la transformation en air, mais c'est trop long, regardez, là, c'est même pas encore terminé. Bon, moi, je suis toujours malade, hein. Je tourne les trucs à la suite. Et j'ai en même temps fait un petit enclos ici pour mettre une vache. Voilà, pour mettre une ou plusieurs vaches même. Parce que ce sera le but, ce sera de les faire copuler. Voilà. Du coup, j'ai pété masse d'arbres parce qu'ici c'était rempli d'arbres, je les ai tous pétés. Et du coup, bah ici on aura le potager et là-bas on aura la maison. Voilà. Ou à un moment j'hésitais à faire le potager ici, faire la maison là. Mais non. Je préfère avoir le potager devant et la maison ici. Voilà. Voilà. Du coup, bah, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sera le potager. Là, par contre, il y a un arbre là-bas qui me gênait. Alors, on va aller le péter parce qu'il n'a pas de feuilles. Voilà. En plus, ils sont moches, ces arbres-là. Ils sont moches et ils donnent rien d'intéressant. Que je vais trier dans le coffre d'abord ce truc de merde là. Comme vous pouvez le voir, j'ai plein de fleurs, plein de graines différentes et tout à planter. J'irai regarder ce qu'il y a là-bas plus au spawn. Je vais vous montrer. Il y a un village. Il y a un village PNJ. Et dans ce village PNJ, il y a tous des trucs de raisins, de plantations, etc. J'essaierai d'aller récupérer un petit peu de raisin, etc. pour eh bien pour faire le jardin. Voilà. D'abord, ce qu'on va faire, c'est couper les arbres à rubber, etc. Bah, tout simplement pour avoir du rubber et pour dégager le chemin parce que là on va faire un escalier qui monte là-bas tout en haut. Donc du coup, hop. Par contre, je vous le dis, tout ce que je le fais. Merci, il y a un petit lag. Je le fais au pif, j'ai pas de plan précis. J'ai pas vraiment de plan précis en tête. Du coup, voilà. C'est bien, c'est qu'il nous donne des pouces parce qu'on pourra faire plus tard une ferme à arbres, Robert. Ça va être intéressant avec tout ce qui sera dispenser et tout. Enfin, dispenser, qu'est-ce que je raconte moi? Carpenter et tout là. Dans le mode forestry, ça va être intéressant. Du coup, c'est pour ça qu'il faut aussi garder les pouces et c'est pour ça que je pends les Charlie. Charlie pouce. Ah, voilà. Ouais, donc je disais. Blague de merde. Je disais, c'est pour ça qu'il faut garder les pouces pour pouvoir les replanter après. Et c'est pour ça que là, je vais pas les replanter parce qu'il nous faut le champ libre pour pouvoir faire un escalier et tout. Et de toute façon, les arbres, plus tard, je les planterai là-bas derrière au champ. Voilà. Voilà, c'est pour ça. Hop, on pète, on essaye de regarder si, voilà, s'il n'y a pas ça là. Parce que ça, c'est triplé, je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres épisodes. D'ailleurs, n'hésitez pas à les regarder. Hop, parce que c'est triplé. Et vu que c'est triplé, bah, ça nous fait masse de rubber. Bon là j'en ai déjà farmé avant en off. Et j'en ai déjà plus de 2 stacks et tout, enfin voilà. Enfin j'en ai utilisé pour faire les solar panels, mais avant j'avais 2 stacks idées. Et du coup bah voilà, là c'est du coup ça va nous en faire plus, on ne devra plus aller en chercher avant un moment je pense. Et c'est cool. On va se dépêcher parce que la nuit commence à tomber. Et que les mobs, ça va être la merde sinon.
Hop, 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 on ramasse tout, et on va au dodo. Et mettre au macérateur. Fait dodo, voilà. Macérateur, au truc là. À l'extracteur. Hop, donc du coup, moi je vais chercher tout ce qui est matériel et tout, je vous retrouve juste après. A tout de suite. Et donc, re tout le monde, je ne vous retrouve pas comme je vous ai laissé tout en haut parce que je voulais vous montrer ça. J'ai été relancer la query ici qu'on avait laissé la dernière fois ici, qu'elle avait fini. Et du coup, bah, en attendant, j'étais en off, je l'ai bougé de place Et comme ça, elle est relancée et on est prêt à avoir du minerai. Donc c'est toujours le même principe, juste le système rallongé, mais j'ai rien changé à part ça. J'ai juste rallongé avec des Kinesis Pipe et des gold et des stones. Voilà. Et Allo m'a dit que la wooden en sortie de curie, elle était pas obligée, mais bon, je la mets quand même par habitude. Je la mets quand même par habitude. Et de toute façon, j'en ai donc. Autant s'en servir, ça utilise moins de stone pipe. Voilà. Mais bon, c'est tous les deux des trucs qui coûtent pas la peau du cul. Là, ils sont tous les deux occupés de pomper. Ça pompe sur la bad box. Ah, c'est la nuit, bien sûr. C'est pour ça qu'elle remonte pas assez. Qu'elle remonte pas en énergie. Mais bon, la nuit, on pourrait la laisser tourner. Enfin, la bad box, elle ne contient pas assez d'énergie pour tout faire tourner. Quand vous regardez normalement là, c'est censé augmenter. Ouais, ça reste stable en fait, j'ai l'impression. Ça augmente pas la bad box, mais ça stagne. Voilà. Du coup là j'ai mis une petite échelle pour avoir plus facilement accès que toujours devoir placer un bloc et tout. Et voilà, du coup j'ai plus 4 panneaux solaires au lieu de 6 parce que j'en ai placé 2 là à côté du low voltage. Et là j'ai mis un petit panneau pour la déco. Du coup, on est parti pour faire de la déco. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai été prendre. J'ai été un peu faire les villages aux alentours. Donc, j'ai déjà fait des petits escaliers et tout. Il y a du chisel et du carpenter. Mais bon, le carpenter c'est chiant à faire. Donc, c'est classe, mais pour certains trucs, pas pour tout. Que si pas, ça prend trop de temps. Du coup, j'ai des ropes que j'ai été chercher pour les modes grow, craft, donc pour le houblon et le raisin, pour faire tout ce qui est vin, bière, etc. J'ai d'autres trucs de palms, donc des graines, de concombre, de zucchini, je sais pas ce que zucchini, je sais pas ce que c'est de la courgette ou un truc du style. Il y a l'air. J'ai du bambou. Je pourrais faire un petit parterre en bambou, j'ai deux trucs. J'ai des fleurs et tout, j'ai de la pumpkin, j'ai du coton. J'ai plein de graines dans l'autre coffre aussi ici. Et plus tard, je pense faire un truc avec Steve Cards, je sais pas si vous connaissez. Steve Cards, voilà, donc c'est un truc qui permet de faire des cartes. Et avec plusieurs types de trucs. Et certain, enfin un en particulier, je vais essayer de trouver, voilà, avec le Basic Farmer, voilà, permet de récolter le champ. Donc on fait tout un tracé, ça permet de récolter le champ et de le déposer, lancer les graines, par exemple pour faire du seed oil, etc. Il y a les hydrators aussi, je vois que ça pourrait être pas mal. Et ça, je sais absolument pas ce que c'est. Aucune idée, aucune idée. J'ai aussi vu qu'on aurait pu faire des trucs. Ah, ça c'est le Advanced. Non, je sais pas. Faut que je me renseigne un peu plus sur ce qui est Steve Cards. J'ai aussi vu avec fourniture là. Attendez. Je marque TV. Minecraft Fish. Voilà, je savais plus si c'était ça le nom. Avec Mister Cryfish, là, je sais pas quoi. Voilà, on va regarder. Je sais absolument pas ce que c'est, Shower Top.
pour faire des douches. Je sais pas ce que c'est tout ça, c'est nouveau. T'as les trucs de télé. Ça, à mon avis, ça c'est que pour le Too Many Items, on peut pas les faire. Ouais, voilà, c'est tous des trucs qu'on peut pas faire. Qu'on peut pas. Du coup, après, on pourra faire tout ce qui est dans notre maison et tout. Mais il y a les trucs pour le jardin. Donc tout ce qui est haies, le robinet, ouais, bof. Les barrières, les petites pierres, les fontaines, tout ça, ça pourrait être intéressant à faire. Donc voilà. Ça prend. C'est pas cher à faire, c'est des cobbles, de la cobble, on en a plein. De la stone, ça c'est avec des feuilles. Et c'est nettement plus classe que juste mettre des feuilles avec des bûches et tout. Donc c'est pratique. Ça c'est des electric fence, je pense. Non, c'est juste les white fence, les electric fence sont ailleurs, mais on va pas. Ah, elles sont là. Mais on va pas mettre les electric fence, on va juste mettre les fence normales. Et j'ai de l'os, donc on pourra faire les white. Ce sera plus beau que juste des fence comme celle-là. Du coup, on va commencer par juste faire un escalier. Donc ça, plus tard, il n'y aura plus. Du coup, on va faire un escalier qui commence déjà de là. C'est pour ça que j'ai fait des escaliers. Du coup, on va essayer de faire un petit truc sympa. Qui monte. Super, je commence à en foutre à côté. Il faudrait de la planche aussi pour mettre là. Voilà, je vais chercher de la planche. Ah, le truc de terre il est vide. J'avais encore un truc qui allait, ouais, voilà, ça. Ça et ça, je peux venir vider ici, ici et en lancer. Lancer ça. Voilà. Du coup. J'en avais sur moi, j'en refais un peu. On va essayer de faire un petit truc sympa. Hop. Du coup là on va continuer à faire monter comme ça. L'electric wrench, on n'en a plus besoin. Voilà. Ça, on arrive pile au niveau. C'est pas juste des escaliers, vous voyez, ça donne un petit effet de relief comme ça et tout. C'est sympa. On va juste continuer la couche. Voilà, comme ça. Celle où on a dû rajouter de la dirt là. Ici. C'est nettement plus sympa. Voilà. On monte. Ici, on arrive là autour. Je vais essayer de mettre des barres. Ouais, quoi que je sais, parce que les gens en fait. Ah. J'avais envie de mettre une chute d'eau. Vous voyez, des trucs qui descendent là dans un petit fossé, un petit truc sympa. Donc les buissons XP, on va les déplacer. Ces buissons là aussi, on récupère la barrière qui serviront pour la déco. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, c'est au pif hein, que je le fais. Et puis des trucs de baie, j'en ai encore plein là. Des buissons. Donc ça pourrait être sympa à faire des petits trucs. Mais tout ce que je fais là, je le fais totalement au pif. Je sais pas ce que je vais faire précisément. J'ai quelques petites idées. Mais rien de. Rien à foutre. C'est des feuilles de quoi en fait ça? Rubber, ah ouais, c'est des feuilles de rubber, c'est pas des feuilles connues dans le jeu normal. On aurait dit des oakwood. C'est pour ça, mais non.
Du coup, peut-être essayer de se faire un petit étang. Enfin, ouais, non. Le mec, il part carrément dans un délire de... C'est censé être un truc pour farmer, en fait. Pas forcément faire un jardinet, le truc. C'est ça, en fait. Le machin. Et moi, je partais déjà dans le délire de... De faire un petit jardinet tout beau et tout. Du coup... On va partir déjà sur le bambou. On va skipper, on va... Ah, c'est chiant ça, ce truc avec les coffres. On les fout de ça là. Du coup, le bambou, je pense qu'il se répand. Donc, on va foutre du bois. On va peut-être faire un petit. On va l'encercler dans du bois en fait. Parce que je pense qu'il se répand. Je suis pas, c'est pas info sûr. Là, on va laisser pour l'eau. On va faire du blé par là. Donc, je suis pas sûr à 100%, mais dans ma tête, ça se répand. En fait, c'est pour ça que. Merde. Je préfère pas prendre de risques et tout entourer de bois. On va aller chercher le chisel. On va essayer de voir si on peut pas faire du truc sympa avec le bois là. Alors, les planches. Celui-là il pourrait être sympa, celui-là. Merde, j'ai tout transformé, on va pas avancer, le remettre en normal après. Celui-là il m'a l'air pas mal. Ouais, j'ai fait des escaliers, je m'en sers même pas. Vous savez. Ah, il y a un petit. Il y a un petit faux raccord là. Ça fait deux, deux. Hop, il y en a un de trop. On le reculera. Je sais pas si le bambou il pousse sur du sable, si pas je mettrais bien du sable. Ouais, quoi que non, ça passe en fait, ça fait un petit palier entre les deux. Ouais, on va le laisser ainsi. Je sais pas si le bambou ça passe dans le sable, on va aller dormir. Mais si dans le sable ça pousse. Bah, je suis niqué, ça pousse pas dans le sable. À moins que ce soit parce qu'il y a des petits bugs, mais ça pousse pas dans le sable. Ah, voilà. Ça pousse pas dans le sable. Du coup, je suis niqué. Du coup, on fait ça. On va en mettre un là, et ça, on verra bien. Ça se répandra dans le carré normalement. Au futur, du coup, là, il est censé avoir une cascade d'eau, mais qui passe entre les trucs. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux faire. C'est pas la faire tomber là devant, mais la faire tomber derrière en fait. Un sur deux. Du coup, l'eau normalement sera ici. Non, l'eau sera là. On va laisser un bloc d'écart. L'eau sera ici. Voilà. Elle fera ça. Comme un genre de cascade en fait, si vous voulez. Et là, 1 sur 2, elle tombera. Voilà. Et là, 1 sur 2, normalement, elle tombera. Elle tombera là. Voilà. Et il y aura la façade qui sera trouée comme ça. Donc, je vais faire ça. Et je vais aller faire en bas les trous. Et elle devra. Elle, normalement, elle sera pas censée passer par le trou. Vu qu'elle tombera là, et. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Je vais faire ça avec vous, et. Ce sera plus simple pour vous à comprendre que. Qu'à vous l'expliquer comme ça. C'est bien, ça me fait de la terre en plus.
Ah, du copper. On l'a ramassé. On s'en fout, ça après il y aura, ce sera changé le fond. Et il faut faire un trou là pour que l'eau arrive là. Il y a des petits bugs quand même avec les le truc. Donc du coup, on va aller voir d'en haut ce que ça donne. On va faire un petit truc là en plus. Comme ça, l'eau elle est ici. Vous voyez? L'eau arrive, elle tombe là, et puis elle tombe là dans le truc, mais au lieu de continuer vers l'avant, elle tombe direct. En fait, et c'est pour ça que là, faut mettre un bloc. Là aussi. Voilà, comme ça. Il y a là aussi. Comme ça, elle se cogne là et elle tombe droit. Si pas, elle continuera sa descente. On pourrait déjà essayer, on pourrait déjà se faire une petite source infinie d'eau ici quelque part. En attendant. Pour faire des tests. Voilà, pour faire des petits tests et après on. On décorera le tout. Ah, c'est bon, c'est parfait, ça tombe pas. Par contre, le problème, c'est qu'il y a du courant, mais bon, c'est une cascade. Et voilà ce que c'est censé donner. Voilà, c'est censé faire ça, donc ça fait. C'est un petit truc à la con, mais bon, quand tu auras des trucs stylés devant, de la brique, stone brick et tout, des trucs ainsi. Enfin, pas de la brique normale, mais de la stone brick là. Ça pourra rendre un truc de ça. En plus, avec chisel, il y a moyen d'avoir plein de trucs avec les blocs. Même de la cobble. Même de la cobble qui est pas mal. Voilà. Celle-là, elle est pas mal. Et vu que de la cobble, on en a plein. On pourra se faire ça. Le mur, tous les deux murs ici, faire un truc stylé. Et d'au-dessus, ça rend bien. Ça rend bien d'au-dessus. Du coup, ce que je fais moi là, c'est que je décore un peu ça. Voilà, je le fais en off. Parce que si pas, l'épisode va être trop long. Je le fais en off. Je vous reprends peut-être entre deux. Et je vous montre quand c'est fini. A tout de suite!